thank you Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi Sam Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, c'est avec euh, un grand plaisir, voilà, que je remercie tous ceux qui, euh, qui me suivent sur YouTube, voilà, et qui me suivent aussi sur Facebook et tout ça. Voilà, donc, si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner parce que ici, vous avez des liens et vous avez vraiment des informations qui sont assez pertinentes pour ceux vraiment qui veulent aller étudier ou euh, où ils veulent, voilà. Donc, euh, on ne fait pas de distinction. On met plusieurs pays en exergue pour, pour que vous puissiez au moins euh, postuler et connaître la procédure et aller y étudier. Alors, donc, euh, aujourd'hui, je suis là pour répondre un peu à une question que j'ai reçue sur WhatsApp parce que il y a l'un de nos concitoyens qui a obtenu comme ça un visa pour aller étudier en Suisse et j'ai essayé comme ça de poster sur le site ou bien sur mon canal euh, WhatsApp et il y a des étudiants qui m'ont posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour étudier en Suisse. Voilà, donc déjà, je vais essayer de donner quelques aperçus. Donc, euh, suivez-moi et puis voilà, restez avec moi jusqu'à la fin. Voilà, donc comme je disais, voilà, pour étudier en, pour étudier en Suisse, ce n'est pas aussi complexe que ça, voilà, mais il y a des espaces seulement sur les documents qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas euh, aller vite en besogne. Voilà, donc... Dans un premier temps, c'est identique, c'est la même chose comme le Canada, mais seulement que le Canada, c'est un peu plus long. Et en ce qui concerne la Suisse, vous allez d'abord essayer de choisir des universités. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi C'est que essayez de voir le rating des, des universités. Le rating en, en termes d'universités euh, qui choisit ou bien qui sélectionne plus des étudiants étrangers. Voilà. Donc, si vous prenez par exemple, comme ça, l'université de Lausanne, vous allez voir qu'il y a un bon rating là-bas. Vous pouvez déjà postuler là-bas à l'université de Lausanne. Et lorsque vous allez postuler comme ça et que vous allez avoir l'admission, et les frais d'admission peuvent aller de parce que là-bas, c'est vraiment euh, C'est un haut niveau, si je dois, je dois le dire comme ça, parce que les admissions comme ça peuvent aller de, de 150 jusqu'à 400 dollars pour les frais d'admission. Vous voyez, de 150 jusqu'à 400 dollars. Voilà, donc une fois que vous obtenez une admission dans ces universités-là, l'élément qui est plus compliqué et qui est plus complexe, c'est quoi? C'est que la plupart des universités, la plupart des... Euh, des ambassades qui sont dans les pays, voilà, euh, n'accepte que lorsque l'étudiant, par exemple comme ça, a un garant qui est là-bas en Suisse, vous voyez. Au moins à 80%, accepte seulement que l'étudiant ait un garant là-bas euh, en Suisse. Donc vous allez compléter votre, votre admission, vous allez prendre vos diplôme, vous allez prendre tous les éléments, vous voyez. Il y a deux choses vraiment que où, euh, pour lesquelles vous devez bien vous fixer pour ne pas vraiment euh, rater l'opportunité. C'est quoi C'est dans un premier temps, vous devez avoir une personne qui est peut-être comme ça euh, en Suisse. Voilà. D'ailleurs, ceux qui nous contactent pour qu'on puisse les aider à postuler, lorsque nous on veut travailler, on prend forcément une personne que nous avons déjà en Suisse pour pouvoir faire le document. Vous voyez. Mais ce que je dis, c'est quoi C'est que euh, si je ne dis pas forcément que la personne euh, doit être là-bas, mais je dis que euh, la probabilité que vous ayez un visa auprès de, de l'ambassade, vous voyez, et, et que la personne soit de, de la Suisse est assez élevée que lorsque la personne, votre garant est avec vous en, dans votre pays, vous voyez. Donc, euh, c'est un peu ça. C'est la c'est ce, ce que vous voulez répondre. Maintenant, il y a le deuxième volet, c'est quoi? C'est que euh, l'étudiant vraiment doit essayer d'écrire dans la lettre explicative, essayer vraiment de donner euh, les sources c'est motivation, ce qui, qui motive la personne ou même l'étudiant à aller étudier là-bas. Et pourquoi est-ce que l'étudiant doit aller étudier là-bas? Et euh, l'élément qui est vraiment primordial, c'est quoi? C'est que ce que vous voulez laisser, peut-être si vous voulez faire la sociologie, vous savez déjà que la, la sociologie, c'est en grande partie, il y a beaucoup en Afrique, voilà, ou bien dans plusieurs pays. Donc, si vous voulez laisser la sociologie pour aller étudier là-bas en Suisse, pourquoi est-ce que vous n'étudiez pas la, la sociologie chez vous? Vous devez vraiment mieux expliquer. Voilà, vous devez vraiment mieux expliquer. C'est pourquoi, quand nous, si nous, on doit aider des étudiants, on fait le tout pour que la filière que l'étudiant doit aller faire là-bas, voilà, nous, on propose à l'étudiant, pour que la filière que l'étudiant doit aller faire là-bas, doit vraiment être une filière qui est assez recherchée et qui n'est pas vraiment euh, dans tous les pays en Afrique. Vous voyez, voilà. Donc, euh, c'est un peu ça. Donc, c'est en fonction de cela que vous allez faire la lettre explicative et aller étudier. Donc, si s'il doit faire euh, de façon briève, c'est quoi C'est que pour vraiment aller étudier en Suisse, lorsque vous avez l'admission, vous allez prendre votre diplôme et les relever de Nord et tout, et tout, et tout. Voilà, vous allez les, les légaliser dans votre pays. Et lorsque vous finissez de les légaliser, vous allez compléter une lettre explicative. La lettre explicative, vous devez vraiment détailler. C'est identique hein, par rapport à, euh, au Canada. Vous avez vu un peu le Canada, comment ça se passe. Il y a une lettre aussi explicative là-bas. Et c'est ce qui est très important. Voilà, parce que la lettre explicative permet à, à l'administration, la c'est-à-dire permet au consul, voilà, ou bien celui qui va euh, regarder vos dossiers, permet à la personne de vous connaître directement et voir un peu ce qui se passe dans votre tête, dans vos pensées. Vous voyez Voilà, donc c'est en fonction de cela que vous avez vu que par rapport au Canada, il y a des personnes qui ont dit on n'est pas sûr que lorsque vous partez, vous allez revenir. Tout ça fait partie de la lettre explicative. C'est ce que vous allez expliquer, vous allez dire qui va vraiment faire votre lendemain. Vous comprenez Donc c'est un peu ça. Alors, ce que moi je, je préconise, ce que moi je dis à ceux vraiment qui veulent aller étudier là-bas, dans un premier temps, faites l'effort d'avoir quelqu'un qui est là-bas qui va vous recommander et qui va, qui va vous prendre en charge étant donné, étant euh, un garant financier. Vous voyez? Maintenant, ceux qui veulent aller étudier et qui ne savent pas vraiment comment faire, nous, nous sommes là. Le numéro qui est là, vous pouvez utiliser ce numéro-là, nous contacter et puis voilà, on va essayer d'échanger de, de, de et essayer de faire votre travail normalement. Voilà, donc c'est un peu ça. Et surtout, prenez soin de vous, les gars. N'oubliez pas, là-bas, il n'y a pas assez de choses à faire. Seulement, les documents que vous allez, vous allez euh, envoyer à l'ambassade doivent être, être des documents qui sont authentifiés. Voilà, c'est tout. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et puis voilà. À plus, les gars.